Salut! Aujourd'hui, je vous propose de s'arrêter sur une solution peu abordée pour l'éclairage. Alors, dans un live précédent, c'était arrêté sur l'outillage électroportatif sur batterie. Et on avait souligné les énormes progrès de ces dites batteries. Plus de puissance, plus d'autonomie, plus de standardisation au sein d'une marque. Si vous n'êtes pas trop curieux, vous allez juste considérer ces batteries comme le moyen de juste alimenter votre visseuse. Or, le potentiel de ces batteries s'est clairement diversifié ces derniers temps. Maintenant, elles alimentent des glacières sur chantier, des machines à café, des radios, et en fait, elles sont aussi également devenues une solution d'éclairage. Parmi les possibilités de s'éclairer avec vos batteries d'outillage électroportatif, il y en a une qui a attiré mon attention dans le cadre de la préparation. Cette solution, c'est ce genre de dispositif. Très compact, peu cher, qui tout simplement se clipse sur le sommet de la batterie. Ce modèle, mais il y en a d'autres, ça vous fournit, mine de rien, jusque 230 lumens. Hein. Différents modes d'éclairage pour plus d'autonomie et aussi très appréciable des sorties pour l'alimentation de petits appareils, lampes de poche, GSM, etc. En résumé, l'ensemble, c'est une grosse power bank avec un éclairage et l'éclairage, il n'est pas dégueulasse. Hein. Donc, alors, si l'outil est compact en lui-même, endurant, il a quand même ses limites. Ce n'est pas un spot de chantier. Pas facile de l'orienter vers le point d'intérêt, manque de puissance, mais ça dépanne et ça rentre dans une boîte à outils et c'est très rapide de mettre en œuvre. Ce n'est pas une lampe de poche. Oui, ça peut se clipser à la ceinture, mais ce n'est pas aussi compact, ce n'est pas aussi transportable. Pour la personne préparée, ce qui est intéressant, c'est d'offrir plus de polyvalence à ses batteries d'outillage. En cas de coupure de courant, elle transforme votre visseuse en lanterne et en power bank indoor. Ne vous équipez en tout cas certainement pas de batterie et de lampe juste pour le au cas où et avoir cet ensemble. C'est pas rentable, ça va vous coûter énormément, c'est trop cher. Par contre, si vous êtes fidèle à une marque d'électroportatif en particulier, et jetez un petit coup d'œil parce que pour le même prix, vous avez ce genre de dispositif pour moins de 20 euros et vous allez pouvoir élargir les possibilités de ces batteries d'outillage. Le pouce, l'abonnement, préparez-vous, à la prochaine.